Bonjour les amis, c'est Vivi. On se retrouve pour le deuxième tutoriel euh, sur ma chaîne YouTube qui concerne encore une fois de plus Euro Truck Simulator 2. Alors ce sera souvent des tutos sur Euro Truck, je pense. Euh, parce que c'est le jeu qui demande le plus de, on va dire, de tuto. Alors, euh, bah excusez-moi pour le retard un petit peu euh, concernant la promo, donc la nouvelle promo 2.55. Voilà, elle est enfin sortie. Déjà depuis plusieurs jours. Hein, je crois qu'elle est sortie en date du 15 avril. Euh, et moi, je suis le 19. Donc vous voyez que je suis à la bourre. Je m'excuse. Hein, J'ai pas eu le temps de la tourner avant. J'avais pas le matériel adéquat euh, bah sous la main. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu tardif. Mais je vous la fais quand même. Donc, euh, sur le tutoriel numéro 1, on s'était fait la ProMode 252, l'installation. Là, aujourd'hui, on va traiter donc, la nouvelle ProMode 2.55, à savoir qu'elle est compatible avec le DLC Iberia. Donc, pour ceux et celles qui voudraient euh, rouler donc, en Espagne et au Portugal, à savoir que le DLC Iberia donc, est sorti sur Steam. Euh, même sur d'autres sites mais vous pouvez donc l'avoir sur steam et donc ça couvre l'espagne et le portugal euh, dans le jeu en version donc 1.40 hein. il faudra bien mettre votre jeu en 1.40 donc je vais essayer de faire une vidéo beaucoup plus courte que le premier tutoriel parce que je m'excuse également il était quand même assez long je m'étais pas rendu compte euh, forcément sur le moment de la durée de vidéo donc je vais essayer de vous faire un truc beaucoup plus court je me suis préparé un petit peu les choses de mon côté donc du coup ça va être beaucoup plus simple alors pour commencer avec ce DLC Iberia et cette nouvelle Pro 2.55, il va falloir dans un premier temps mettre votre jeu en version 1.40, la dernière. Donc pour ce faire, il va falloir cliquer sur Euro Truck Simulator 2 dans votre gestionnaire de jeux Steam avec votre clic droit, propriété, et vous allez aller dans bêta. Vous mettez ici, sélectionnez la bêta à laquelle vous souhaitez participer. S'il y a plusieurs cas de figure possibles, si vous êtes. Joueur multijoueur. On va partir comme ça. à savoir que ne mettez surtout pas cette promote 255 en jeu avec la version 140 car le multijoueur ne sera pas compatible. à l'heure actuelle, le multijoueur est encore en version 139. Donc, il faut rester avec votre jeu en 139. Si vous faites du multi, si vous faites du solo maintenant et que vous avez envie de jouer sur Iberia ou en solo, vous pouvez passer votre jeu en promote 2.55 et votre jeu en version 1.40, comme la version 2.52. Vous pouvez avoir le nouveau renoté, bon bref, avec la version 1.40. En 1.39, vous l'aurez pas. Ça, c'est vraiment encore réservé à ceux qui jouent en multi. Pour ceux qui ont des bonnes connexions internet, peut-être chez eux, des bons PC, à savoir que la... le changement de version se fait euh, assez rapidement. Pour ceux qui auraient des connexions moins rapides et ben, beaucoup plus faiblardes. C'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est assez compliqué du coup à savoir si vous voulez vous y mettre ou pas. Moi je conseille, si vous êtes joueur solo, passez en 2.55 au niveau de ProMode et euh, en version 1.40 au niveau du jeu. Si vous êtes joueur ex exclusivement, on va dire multi, attendez. Clairement, euh, c'est encore une histoire de temps. Trucker MP, à l'heure actuelle, n'a encore pas fait. Euh, attendez, bougez pas, je vais vous montrer ça. Oh, j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes, je m'excuse. Euh, Trucker MP n'a pas encore fait euh, sa mise à jour. Voilà. Ils mettent 1.40 développement upted. Donc, euh, bah, ils sont en cours hein, tout simplement. Mais euh, pour le moment, c'est encore pas bon. Donc voilà. Supported ETS2 version 1.39.4.5. Voilà. Donc, ne mettez pas votre jeu en 1.40 si vous faites que du multi. Parce que c'est une perte de temps, clairement. Pour vous. Voilà. Donc ça, c'est vu. Pour ça, je tiens à le préciser au début puisque euh, ça ne servira à rien pour vous. Alors, du coup, on retourne sur Steam. Donc, on en était ici dans l'onglet propriété bêta. Si vous avez donc envie de jouer en solo sur Iberia, machin, mettez votre jeu ici sur aucune. Ça va vous mettre votre jeu à jour en version 1.40, la toute dernière. Voilà, pour ça, c'est dit, c'est fait. Ça va se faire tout seul, il n'y a rien de spécial à faire. Ok. Donc, ça, une fois que c'est fait, votre jeu déjà est prêt en version 1.40. Maintenant, on va se retrouver sur internet, sur le site de la ProMode. Alors, j'ai juste une petite manip à faire, moi, de mon côté. Donc, j'ai trois écrans. C'est pour ça que j'ai ça à faire. Hop. Moi, je dois être bon. Ouais, c'est bon. Donc, vous allez sur internet ensuite. Vous tapez donc euh, ETS. ETS... Euh... Bah ETS... Euh... Non, vous tapez Promode 2.55 par exemple et vous allez donc sur Index Page et vous allez tomber sur cette feuille là, enfin sur cette page là. Vous vous connectez comme la dernière fois, pour ceux qui auraient regardé la dernière vidéo de la 2.52 et euh... vous allez tomber sur ce pavé rouge, ne prenez pas peur. C'est normal, ils nous disent tout simplement que la Promode 2.55 fournit un soutien pour libérer DLC, a été libéré. Voilà. Fait tout. Euh, ensuite, vous avez le ProMode Middle est add-on. Donc ceci, à savoir, faites très attention quand vous allez l'installer si vous l'installez. La version ProMode Middle est 2.55, il y a un souci dessus. Il... Qu'est-ce qu'ils ont marqué euh... Voilà, le paquet Moyen-Orient 2.55 a malheureusement eu une erreur d'emballage. Voilà. Donc ils ont fait une 2.55A à côté, euh, bah, que vous pouvez télécharger à la place. Et c'est même celle-là qu'il faut télécharger à la place parce que l'autre, il y aura un souci. Mais on va le voir. Donc, vous faites comme la dernière fois, vous commencez par installer votre carte ProMode. Donc, pour ce faire, vous cliquez soit ici sur ProMode Europe, et ça va vous emmener directement sur, le... bah, sur la page de téléchargement de la ProMode de 55. C'est toujours la dernière version, de toute façon. Sinon, vous avez une autre option, c'est compatibilité ETS2 tout en haut. Vous avez ici, donc ça c'était ce qui concernait la promo de version 2.52, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois dans le tuto 1. Hein. Là aujourd'hui, on va se faire la promo de version 2.55. Ils nous disent, si on le traduit, que cette version requiert, euh, exige l'installation des DLC Est, Nord, France, Italie, Baltique et Mer Noire. Iberia est compatible, mais n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez installer votre version 2.55 sans avoir acheté le DLC Iberia. Vous pouvez. Si vous avez encore peut-être pas les moyens d'acheter Iberia, vous pouvez quand même installer la 255 de ProMode. Vous aurez la partie espagnole qui a été créée avec la ProMode, mais vous n'aurez pas du coup toute l'Espagne et le Portugal. Moi, pour ma part, j'ai Iberia. Donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est de rouler sur Iberia. Par contre, il y a des villes qui vont disparaître, euh, qui ont été créées par la ProMode. C'est-à-dire, par exemple, je pense à ce qui est en haut de l'Espagne, la Jonquera, euh, l'Andorre, tout ça. Ça, vous ne l'aurez plus parce qu'ils voilà, prennent en charge le DLC et non les villes de la ProMode. Mais ne vous inquiétez pas, ça reviendra dans d'autres versions ultérieures qui arriveront par la suite de la ProMode. C'est sûr et certain, après, c'est juste une question de, de temps. Et vous cliquez donc du coup ici sur Installer, ça vous ouvrira la même page qu'on était tout à l'heure pour installer votre euh, ProMode 2.55. Jusque-là, voilà. Comme la dernière fois, vous générez votre fichier de définition en cliquant ici. Tac. Vous mettez ce que vous avez à mettre, vous cochez les cases en bas si vous voulez utiliser d'autres maps compatibles avec la Pro moi je le fais, vous cochez la case Spécial transport DLC si vous avez le mode transport DLC, enfin le mode, non le DLC spécial transport, vous faites générer. Ça va vous mettre euh, du coup un petit téléchargement en route pour le Pro Mode définition. Vous allez ensuite fermer cette feuille et vous allez à l'étape 2. Jusque là, je vais assez rapide parce que sinon c'est trop long. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous, donc soit la version payante qui coûte un euro, soit la version gratuite qui coûte rien, mais par contre beaucoup plus long. Ça, c'est vous qui décidez. Encore une fois, c'est soit vous voulez donner un euro à l'équipe ProMode et ça leur paye leurs frais d'hébergement de serveur et aussi le travail qu'ils fournissent, soit sinon, bah, vous êtes radin. Ou, non, je rigole. Vous avez pas forcément les moyens de donner un euro. Vous n'avez peut-être pas de carte bleue ou quelque chose. Vous prenez l'option lente. Ça, c'est vous qui voyez. Sachant que l'option lente, vous pouvez mettre que deux téléchargements simultanés en même temps. C'est beaucoup plus long. Moi, pour ma part, j'ai déjà préparé euh, les. Comment ça s'appelle bah, Les téléchargements. C'est hein. déjà fait. Vous pouvez les voir en bas, ici. Ils sont déjà prêts à être installés. Voilà, pour gagner du temps. Donc. On continue. Euh... Donc oui, il faut que je change de page à chaque fois, mais c'est pas un problème. Donc une fois que vous avez fait votre téléchargement, vous fermez donc cette page. Bien, c'était pas ça que fallait faire. Et excusez-moi, euh, bon, de toute façon, une fois que c'est téléchargé, clairement, il n'y a rien d'autre de spécial à faire, puisque euh, après les étapes 3, normalement... Euh, ouais Étape 3 normalement ça, ça explique comment des, des, des IP machin tout ça avec WinRAR etc Et l'étape 4 ça vous montre l'ordre de chargement Mais que moi je vais vous le montrer de toute façon euh, bah, Sur le gestionnaire de mode directement Donc une fois que ça est fait que vous avez téléchargé Vous pouvez fermer votre page internet de la ProMode Vous pouvez aussi mettre en téléchargement euh, Votre Middle East add-on Donc vous allez ici dans addon on Ou Ici, sur Middle Est Add-on. Ça va vous envoyer directement sur la page du Middle Est. Vous générez le fichier de définition, mais il n'y a pas besoin parce qu'il est inclus dedans. Vous allez à l'étape 2 directement. Vous faites pareil, soit vous payez 50 centimes, soit vous faites en gratuit. C'est vous qui voyez. Et euh, faites bien attention. Quand vous cliquez par exemple ici, prenez bien. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous voyez. Prenez bien le Middle Est pack add-on de 55A. C'est très important. Si vous mettez l'autre. Ça ira pas. Voilà. En ce qui concerne ensuite le cabine accessoire pack et le trailer et compagnie pack si vous les voulez. On est toujours sur la version 1.28 et la version 1.14 en version 1.40. Ça n'a pas changé. Donc pour ceux et celles qui auraient téléchargé ce cabine accessoire et ce trailer compagnie pack de, lors de ma dernière vidéo de la 2.52, ne les retéléchargez pas parce que c'est les mêmes. Donc c'est pas la peine de vous faire chier à retélécharger ça. Voilà, donc pour ce qui est téléchargement. Donc, on va se retrouver maintenant euh, bah, sur le bureau, du coup. Ouais. Donc, maintenant que votre téléchargement est fait, vous devriez être à peu près comme moi, vous devriez avoir en bas tout ce qui est téléchargé. Vous allez aller dans l'onglet téléchargement. Alors, j'ai pas de chance, on va te mettre là. Tac. Ici, téléchargement, vous allez retrouver tous vos modes qui sont téléchargés ici. Donc, vous allez faire comme j'ai fait la dernière fois, ou non, hein, si vous voulez, ça c'est vous qui le décidez. Moi je me suis recréé un dossier ProMode 255 ici, pour mettre vos nouveaux fichiers dedans. Il faut que vous commenciez par euh, enlever, comme la dernière fois, vos fichiers qui seraient dans le dossier mode. Donc passer du coup sur cet écran là vous allez donc dans votre document de enfin dans votre euh, sur le côté document vous allez dans euro truck simulator 2 vous cherchez le dossier mode qui est là bon, il peut être en haut moi bon, il est en bas je sais pas pourquoi je crois que c'est classé par euh... non c'est pour ça ou bon, un truc comme ça et vous me virez tous ces documents donc moi c'est 251 c'est normal c'est parce que j'ai joué en multijoueur le dernier coup du coup dans mon dossier mode j'ai le pro mode 251 voilà parce que je ne l'ai pas dit encore une fois mais je vais le répéter pour ceux qui jouent exclusivement en multijoueur, il faut la ProMode 251. Ne mettez pas la 252. Il n'est pas compatible le 252 ni le 255 en multijoueur. Je tiens à le préciser. Hein. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, vous virez tous ces modes de votre dossier mode, vous les coupez et vous venez les coller dans votre dossier ProMode 251. Sinon, vous en refaites un. Vous faites clic droit, nouveau dossier. Vous tapez ProMode 2.51, vous en faites un autre. Ça, c'est vous qui voyez après. Moi, je ne vais pas refaire euh, les choses que j'ai déjà faites. Donc, ces dossiers coupés, vous venez les coller dans votre dossier ProMode 2.51. Comme ça, rien n'est perdu. Vous pouvez les remettre si vous jouez en multi. Et c'est facile à retrouver avec les versions. Donc, une fois que ça c'est fait, tac, votre dossier mode est vide. Maintenant, vous retournez sur téléchargement. Il va falloir dézipper votre euh, ProMode 255. Donc pour ce faire, il vous faut WinRAR. Je ne vous explique pas encore une fois comment avoir WinRAR. Vous tapez sur internet WinRAR ou vous prenez 7Zip qui est souvent incorporé directement dans le PC. Vous faites double clic sur ProMode 255. Pas sur celui-là, c'est le Middle East add M-E, c'est Middle East. Vous ferez après ça. On va déjà commencer par la carte. Vous faites double clic dessus, ça va vous ouvrir une page WinRAR. Vous faites extraire vert, ok. Vous inquiétez pas pour moi, c'est normal que j'ai les trucs en bloc-notes, c'est parce que je modifie moi des, des fois des dossiers de mode, et du coup ça l'ouvre avec bloc-notes. Mais ça ne gêne absolument rien. Vous aurez peut-être des fichiers blancs à la place, des fichiers euh, SCS, voilà, tout simplement. Mais en bloc-notes ça fonctionne quand même, vous inquiétez pas c'est moi qui, qui modifie des trucs et du coup voilà. c'est pour ça que ça s'ouvre comme ça euh, une fois que c'est voilà vous avez un petit bruit vous fermez votre truc winrar, vous retournez dans téléchargement du coup euh, ouais c'est là, je suis perdu vous avez ça qui a dû se mettre en route vous ouvrez ce dossier, vous avez dedans tous vos dossiers pro mode asset, map, média, modèle 1, modèle 2, modèle 3 comme la dernière fois, vous virez readme, on n'en a pas besoin supprimer vous prenez tous les autres, clac, coupez, vous venez les coller dans ProMode 255. Allez, on commence le dossier. Tac, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 dossiers dedans. Ok Je vais beaucoup plus vite, hein. je, je vous l'avais dit, c'est pour que la vidéo dure moins longtemps. Donc, vous avez aussi normalement dans téléchargement un fichier SCS blanc, un euh, ProMode Def qui doit traîner quelque part. Alors il est là, moi, vous voyez, il est en bloc-notes. Mais c'est pas grave. Ce dossier def, vous n'oubliez pas de le prendre. Vous, il sera peut-être en petite page blanche comme ça. C'est possible. S'il est en bloc-notes, euh, c'est comme moi. Sinon, il est comme ça. Mais ne prenez pas peur, c'est marqué en dessous. Promode def de 55. Vous le coupez. Vous venez le coller aussi dans le dossier de 55. Ça devrait vous faire 7 fichiers maintenant. OK Ensuite, tout ça, c'est fait il euh, n'y en a plus besoin donc ça vous pouvez le supprimer tac le promode euh, 255 moi je l'enlèverai après on va s'occuper du promode middle east Add-on donc pareil il est là en winrar vous faites double clic tac et vous venez l'extraire hop extraire vers ok tac le processus se fait vous refermez cette page une fois que c'est fini vous avez votre promode middle east version 255 a qui est là J'insiste bien sur le A. Hein. Si vous n'avez pas le A, ça ne marchera pas. Vous l'ouvrez. Vous faites pareil. Vous virez le readme à la poubelle. Clac, vous prenez les deux fichiers ProMode Middle East Add-on. Vous les coupez. Vous venez les coller dans votre 255. Tac. Collé. Vous avez maintenant 9 fichiers. Une fois que ça, c'est fait. Alors, si vous n'avez pas eu et que vous voulez les mettre. Vous avez normalement un dossier Trailer Compagnie cabine accessoire. Donc vous faites le même processus que je viens de faire si ça a besoin d'être extrait avec WinRar. Vous faites extraire vert, ok, vous venez les coller en 2.55. Ne mettez pas les fichiers readme, ça sert à rien. Moi je vais aller les chercher en ProMode 2.52 parce que je les ai déjà. Donc on va récupérer du coup. Euh, alors c'est normalement ProMode. Donc il vous faudra celui-là, ProMode Cap version 114. Donc celui-là, tac, je le récupère, coupé, je viens le coller ici. Coller. Le cabine accessoire, il est mis. Voilà. Ensuite, il me faut le trailer et compagnie. Alors, trailer et compagnie, c'est ça. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, vous les prenez. Vous les coupez. Et vous venez les coller en 2,55. Coller. Vous devrez normalement, à l'issue de ce truc, avoir... Alors, si vous l'avez fait de la même manière que moi... Ou même si vous l'avez fait en désypant machin, vous devriez avoir dans votre dossier 255, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 fichiers. Ça va fonctionner quand même si vous n'avez pas le TCP et vous n'avez pas le cap. Hein. Et même le middle est. Le middle est hein. Vous pouvez faire fonctionner que la promode avec euh, 6 fichiers. 1, 2, 3. 4... 4, 5, 6, 7, pardon. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, votre promote de 55 est fin prêt. Vous pouvez fermer tout le reste, ça va vous faire de la place. On va rouvrir du coup ensemble notre fichier de 55, qu'on va venir placer ici. Et on va ouvrir à côté de ça. Euh, oui, ben, donc, du coup ça va pas lui euh, On va donc ouvrir mode, voilà. Et si j'ouvre là, ça devrait m'ouvrir voilà une deuxième fenêtre. Donc mon 255... 55. Hop, je vais venir le placer à côté. Alors attendez, je vais réduire un petit peu les pages, histoire que ce soit plus petit. Hop. Voilà. Là, on est pas mal, on y voit. Donc, vous venez copier tous ces dossiers de la 2.55. Paf. Dans votre dossier mode. Je vais recommencer la manip si vous n'avez pas trouvé. Document, Eurotruck Simulator 2, mode. Il est en haut ou en bas. Hein, ça dépend comment c'est classé. Moi, il est là. Hop, mode. Il doit être vide. Vous venez les coller dedans. Coller. Tac. Vous devez avoir vos 16 fichiers à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer... Euh, ça. Vous pouvez fermer votre dossier mode également. Sur Steam, on a bien normalement... Euh, notre fichier, enfin notre jeu qui est en 1.40. Voilà. Donc on est fin prêt à aller en jeu. Je vous retrouve. Tout de suite après, en jeu, dans le gestionnaire de mode, pour vous montrer l'emplacement des modes. A tout de suite Ok les gens, on se retrouve donc en jeu sur Euro Truck Simulator. Alors, quand vous allez lancer votre jeu, c'est normal, ça va vous mettre ce message d'erreur. Changement de version détecté, c'est tout à fait normal, puisque vous venez de passer votre jeu en 1.40. Je mis à jour vers une nouvelle version. Il nous dit ensuite, en dessous, version du jeu 140.33. Vous, vous lui mettez OK, il n'y a pas le choix. OK. Confirmation. Alors ça c'est normal, c'est machin. OK, on s'en fout. Tac. Vous choisissez maintenant le profil qui vous intéresse. Très important. Donc moi je vais prendre le jeu libre parce que c'est celui qui m'intéresse le plus pour faire ce genre de manip. Euh, vous allez ensuite... Euh, allez dans le gestionnaire de mode. Et dans le gestionnaire de mode, vous allez tomber là-dessus sur un truc tout rouge qui clignote de partout. Bon bref. Vous me virez tous ces modes qui sont dans le dossier mode, enfin dans le gestionnaire de mode, avec la grosse flèche qui est là. Tac, vous les virez, vous les vous désactivez, oui. Votre truc il va être vide. Et ensuite, vous allez placer vos modes euh, bah dans l'ordre comme je vais les mettre. Donc on va commencer tout simplement, donc on est bien en ProMode 2.55, vous voyez. Euh, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On va mettre euh, les modes dans le bon ordre. Alors, on commence tout simplement notre sélection de modes par le ProMode de 55 à 7. Il va se mettre en haut et après ils vont descendre de, de ils vont descendre en bas. C'est toujours le mode le plus qui est en bas, le, le, on va dire le premier qui est actif, qui a le plus d'importance. Le plus vous montrez en haut, ce sont des modes qui ont moins d'importance. Voilà. Une fois que vous avez mis mode A7 de 55, vous mettez Pro Mode modèle euh, 3. Non, modèle 1. Pardon, attendez, j'ai un doute. Euh, non, c'est modèle 3. Ouais, modèle 3. Vous mettez modèle 2. Vous mettez modèle 1. Ensuite, vous mettiez, vous mettez. Euh... Alors, attendez que je vérifie bien défivant au map, donc vous mettez ensuite Media Package tac. Vous mettez Map Package. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, il nous reste le définition et c'est tout. Et vous finissez voilà par le définition tac. Vous avez tous vos modes de la carte promode Ensuite, on passe au Middle East add-on. On continue dans les cartes. Donc vous commencez par le A7, encore une fois. Vous passez, vous passez ensuite avec le définition et map. Là, c'est le même fichier qui fait les trucs. Ensuite, il nous reste les promotes trailer et compagnie et le cabine accessoire normalement. Alors, les autres modes, vous ne prenez pas compte. Hein. Donc, on va commencer par le euh, bah, trailer et compagnie. Alors, il n'y a pas de, vraiment d'ordre pour les trailers et compagnie. Euh, moi, je mets en général. Je mets en général euh, bah, ce qui compagnie en premier compagnie package par exemple euh, compagnie définition après vous mettez les remorques euh, donc du coup on aura qu'est ce que c'était le dernier en bas trailer package voilà par exemple ça vous évitera de l'oublier euh, après vous mettez main trailer bon il n'y a pas vraiment d'importance hein, pour ces modes de trailer ok il va nous rester lequel il va nous rester le cabine accessoire que vous mettez tout en haut ça, c'est des trucs qui concernent l'intérieur de la cabine. Vous pouvez rajouter des petits modes si vous en avez envie. Euh, si vous en avez qui sont bien compatibles. Ben, par exemple, je vais remettre le 6, le flat 8, parce que je l'aime bien. Euh, on peut mettre aussi le 6, le méga, le méga pack. Hein, voilà, tout ça. Si c'est comme ça, c'est incompatible. Ça ne sert à rien de les mettre. Ça ne fonctionnera pas. Et euh, voilà, c'est tout ce que je vais mettre pour le moment. Une fois que vos modes sont mis, vous faites confirmer les modifications. Tac. Votre gestionnaire de mode est prêt. Vous faites continuer la partie. Ça va se connecter, ça va vous mettre normalement un petit message modification de jeu euh, détecté, Il va falloir le temps que ça recharge votre map. Donc moi c'est plutôt rapide sur mon PC, vous ça sera peut-être plutôt long. Ça, ça dépend de la... Ça dépend de votre PC, tout simplement. Si vous avez des PC plus rapides euh, ben que d'autres, euh, voilà. Surtout ne paniquez pas hein, pendant... quand vous voyez ce message d'erreur. Ne quittez surtout pas votre jeu, laissez-le faire. Ça peut des fois prendre jusqu'à une demi-heure hein, sur certains PC, mais vous le laissez faire, ça va se mettre. Il y a des gens, ça prendra que peut-être une minute ou deux. Euh, ça, ça vient du PC. Donc, on va attendre que le chargement se termine et vous allez vous retrouver, bah, normalement, euh, sur une promo donc 255, toute nouvelle. Enfin, toute nouvelle, pas vraiment toute nouvelle, puisqu'il n'y aura pas vraiment un gros changement, mais vous aurez l'accessibilité à votre DLC Iberia. Que vous ne pouviez pas avoir avant. Ok les gens, voilà. Donc nous sommes arrivés sur le jeu. Donc ça va nous mettre encore une fois ce message d'erreur. Euh, alors, si vous voyez pas tout sur l'écran, c'est tout à fait normal. Bougez pas. Donc je vais le remettre. Euh, changement de jeu détecté. Voilà, vous mettez le camion est garé en lieu sûr. Ok. Alors, bougez pas, je vais faire une petite panique que vous ayez tout l'écran tac alors je vais choisir mon écran que vous ayez tout ça en petit c'est celui là on fait appliquer tac c'est normal vous avez un écran noir ça... voilà ok donc c'est bon tac voilà donc vous avez tout l'écran euh, du coup donc maintenant que tout ça est fait euh, bah voilà on est revenu sur notre jeu donc euh, sur la page d'accueil euh, on va aller faire un petit tour dans la carte du monde et donc là bah, comme par magie vous avez donc votre DLC Iberia, donc, qui concerne l'Espagne, le Portugal, bah, qui est donc accessible euh, avec Promode. Voilà, vous avez toutes les villes euh, bah, de la Promode. Voilà, l'Islande qui a même été euh, recalée, on va dire, donc ça c'est bien. Et euh, bah, tous les autres DLC voilà, qui existaient auparavant, l'Italie, Scandinave, machin, tous les héros de Black et compagnie. Le Middle East add donne qui est bien présent et donc voilà, voilou, ben voilà. Donc ça c'est vu pour la carte. On va faire un petit coup de camion. Vous avez le renoté du coup. Donc, moi j'en ai un dans le fond. Je m'étais amusé à en faire un pour voir ce qui ressemblait. Vous faites votre petit chargement. Donc voilà, tac et ça va vous mettre en jeu directement à bord de votre camion. Bon, le camion démarre pas. Ok. D'accord, bon, bah, il est tout neuf hein, pourtant, mais bon, bref. Euh, voilà, donc le renoté, hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'il ressemble, voilà, donc là à l'intérieur, bon, je l'ai voilà, configuré euh, à ma sauce, hein, c'était un camion rapide. Mais voilà, vous avez accès donc à ce nouveau renoté avec les, les phares virgules, moi comme j'appelle ça. Euh, et donc, eh ben, la carte euh, ProMode avec le DLC Iberia. Voilà, tout simplement les gens. Je suis en train de me rendre compte, j'avais même pas mis les jantes de la couleur. Bon, bref, c'est pas grave. C'était vraiment un camion euh, test. Par contre, je voudrais bien savoir si je les démarre pas. Ah, mais il est rouge, c'est pour ça. Ah, mais il est cassé. Ah, bah oui, 100%. Mais qu'est-ce que ce bordel Bon, c'est pas grave. On, on appellera le mécano et il viendra le réparer. Voilà, les petits amis. Euh, bah, ce qui clôture la fin euh, bah, de, cette, euh, de cette installation de ProMod 255. De mon deuxième tuto donc, concernant Euro Truck. N'hésitez pas si vous avez des questions euh, bah pour l'installation en commentaire, n'hésitez pas à réagir et bah, à, bah, à me demander tout simplement, je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Sinon ce que vous faites c'est que si vous avez un doute sur quelque chose, n'hésitez pas à aller regarder le premier tuto ETS qui concerne la promote 252. La manip est exactement la même, c'est juste que vous prenez 255 au lieu de prendre 252. Mais là ma vidéo est beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée. Vous ne pourrez pas vous tromper sur l'autre. Si j'ai été peut-être un peu trop vite dans celle-là. Donc voilà. Mais sinon, vous, vous venez me demander. Je pourrais peut-être vous aider. Voilà. Donc euh, bah, je vous laisse ici sur ce sur ce renoté qui ne démarre pas. Hein, voilà. Pas, hein. euh, voilà, je vous dis donc à la prochaine, les amis. Je vous souhaite donc euh, bah, d'agréables routes. Euh, bah sur le nouveau DLC Iberia, hein, j'espère que vous profiterez euh, de l'Espagne et du Portugal. Euh, en plus, on va vers l'été, c'est magnifique, il n'y a pas de confinement dans Eurotruck, donc ça c'est cool. Euh, allez les amis, je vous dis ciao et bonne route à vous